Madame, Monsieur, bonsoir. Merci de nous prêter attention à la une de l'actualité. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, transmet un message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au président malien, Ibrahim Boubacar Keïta, avec pour contenu la volonté de renforcer les relations bilatérales et la concertation sur les questions régionales. Les détails dans un instant. Tenue aujourd'hui de la 14e session de l'Assemblée générale du Réseau national des droits de l'homme à l'hôtel Horaci, en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayyip Lo. Un chiffre à retenir, plus de 143 800 femmes rurales ont bénéficié de crédits pour la création de leur micro-entreprise. C'est ce qu'indique la ministre de la Solidarité nationale à l'occasion de la Journée mondiale de la femme rurale, à suivre également tout à l'heure. Et puis le village de Tifferdoud, à Tizi Ouzou, a décroché le premier prix Rab Haïset du village le plus propre, édition 2017. Les résultats de ce concours, qui est cette année à sa 5e édition, ont été annoncés lors d'une cérémonie organisée par l'Assemblée populaire de Wilaya à Tizi Ouzou. Bonsoir à tous. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messahel, a donc été reçu par le président de la République du Mali, Ibrahim Boubacar Keïta, auquel il a transmis les sentiments de fraternité et d'estime du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, ainsi que son message portant sur la volonté de renforcer les relations bilatérales et la concertation sur les questions régionales. Le président Keïta a tenu, pour sa part, à réitérer sa gratitude au président Bouteflika pour son engagement personnel et ses efforts pour accompagner les Maliens sur la voie du dialogue en vue de retrouver la paix et la stabilité dans le pays. Messahel, il faut le rappeler, effectue en ce moment une tournée dans les capitales de certains pays du Sahel qui renouvelle par là même l'engagement de notre pays pour le retour de la paix et de la stabilité dans cette région. Je vous invite à écouter sa déclaration. J'ai eu l'honneur et le privilège d'être reçu par le président de la République, auquel j'ai transmis un message de son frère, le président Abdelaziz Bouteflika, un message de fraternité, un message d'amitié et un message plein d'intérêt pour le renforcement des relations entre nos deux pays. Donc on a eu l'occasion de passer en revue l'excellente relation qui existe entre nos deux pays. Comme vous savez, à la suite de la visite qu'avait effectuée le président Ibrahim Boubacar Keïta à Alger, nous avons pris de grandes décisions. Donc aujourd'hui, on lui a fait un peu le point où est-ce que nous en sommes dans la mise en œuvre de ces grandes décisions. Concernant la mise en œuvre du processus, l'accord de Bamako, né du processus d'Alger, l'Algérie apportera sa part. Donc sa part dans le rapprocher les vues, essayer de faire en sorte que les engagements pris de part et d'autre soient mis en œuvre. Et je crois qu'il y a une volonté. Et cette volonté, donc, il faut l'encourager pour que le processus, qui est appropriation par les Maliens du devenir de leur pays, et nous avons toujours souligné l'importance qu'il y a à respecter la souveraineté, l'intégrité territoriale du Mali. La discussion, comme toujours, a été extrêmement intéressante. Nous avons abordé la problématique de la sécurité dans la région. Donc nous avons salué l'initiative qui a été prise par le gouvernement malien et par le président Ibrahim Boubacar Keïta, donc on a eu le privilège de recevoir ce matin à l'ouverture de la conférence, d'avoir convoqué cette conférence sur cette thématique, donc autour de la sécurité dans le Sahel et dans les pays régionaux. Nous sommes une région qui fait face à de grandes menaces, nous sommes une région où il y a de grandes turbulences, donc il est évident, il est intéressant, il est important que nous fassions de la coordination entre nous, que nous échangeons nos analyses, que nous donnons nos informations et que nous soyons vigilants par rapport aux menaces qui s'appelle terrorisme, qui s'appelle crime organisé, qui s'appelle trafic de drogue, qui s'appelle trafic humain. Donc tous ces genres de mots et de menaces qui pèsent sur la région doivent nous conduire à plus de coordination, à plus de solidarité. Et je crois que la conférence de Bamako, à laquelle mon frère m'a convié, puisque c'était une conférence réservée uniquement au pays de la CDAO, mais il a eu cette amitié de nous inviter et j'ai pris part à cette conférence, j'en tire, de bons résultats. Donc nous encourageons ce genre de réunion, ce genre de concertation entre nos pays. Voilà à peu près l'essentiel des discussions que j'ai eues avec le président. Il m'a chargé également de transmettre un message d'amitié et de fraternité à son frère, le président Abdelaziz Bouteflika.
Et justement, le chef de la diplomatie algérienne avait pris part à cette conférence régionale sur la sécurité dans le Sahel et en Afrique de l'Ouest, qui se tient dans la capitale malienne, Bamako. Le ministre des Affaires étrangères avait d'ailleurs réaffirmé l'engagement et la détermination de l'Algérie à poursuivre la coopération multiforme avec le Mali pour l'accompagner dans ses efforts visant à accélérer sa sortie de crise qu'il endure depuis quelques années déjà. La réunion de Bamako a essentiellement porté sur l'évaluation globale de la situation sécuritaire en Afrique de l'Ouest, avec en sus l'élaboration d'une nouvelle stratégie collective en matière de lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale organisée dans le Sahel. À cette occasion, le ministre des Affaires étrangères a présenté aux participants l'expérience algérienne, non sans rappeler qu'elle suscite aujourd'hui l'intérêt d'un grand nombre de pays. Il convient de rappeler que le résultat hautement positif enregistré par mon pays dans cette lutte constitue le centre d'intérêt d'un grand nombre de pays avec lesquels nous entretenons une coopération dense et mutuellement bénéfique et fait de l'Algérie l'un des 6 pays, les pays les plus sûrs dans le monde, comme le reconnaissent d'ailleurs de nombreux experts en la matière. L'Algérie est consciente que dorénavant, le règlement de la crise en Libye donnera de la visibilité à la stabilisation de toute la région et permettrait d'appréhender efficacement la lutte contre le terrorisme et ses connexions en raison des liens avérés entre les groupes terroristes en Libye et le prolongement dans la sous-région en même temps que la connexion avec le Boko Haram au Nigeria. Abdelkader Messehel a d'autre part présenté les principaux axes du mémorandum sur les perspectives de la prévention et de la lutte contre l'extrémisme violent et le terrorisme en Afrique, adopté lors du dernier sommet de l'Union africaine. L'intérêt est la considération de nos partenaires pour notre expérience et notre engagement au plan régional et international en matière de lutte contre le terrorisme se sont traduits notamment par la désignation de son Excellence le Président Abdelaziz Bouteflika par ses pairs africains lors du sommet de l'Union africaine en janvier 2017 comme coordonnateur de la prévention de l'extrémisme violent et de la lutte contre le terrorisme en Afrique. Cette désignation témoigne du respect dont jouit le président de la République auprès de ses pairs africains pour son engagement sincère et indéfectible en faveur de toutes les causes en Afrique. Le ministre des Affaires étrangères a en outre réitéré la ferme volonté de l'Algérie pour œuvrer au renforcement de sa coopération avec le Mali, l'ensemble des pays du continent et les autres partenaires dans le monde pour relever les grands défis communs. Et Abdelkader Messehel, qui, vous le savez, poursuit sa tournée sahélienne. Il est arrivé ce dimanche à Addis Abeba où il prendra part aux travaux de la session extraordinaire du Conseil exécutif de l'Union africaine prévue demain. Cette session extraordinaire aura pour objet surtout d'examiner les préparatifs du 5e sommet Union africaine-Union européenne qui se tiendra à Abidjan les 29 et 30 novembre prochains. Président du Conseil de la Nation, Abdelkader Ben Salah, a réitéré à Saint-Pétersbourg l'attachement de l'Algérie au principe du règlement politique des crises et des conflits et du droit des peuples à l'autodétermination dans son discours prononcé à l'occasion de la 137e Assemblée de l'Union interparlementaire. Ben Salah ajoute que, partant de ce principe, l'Algérie est fermement convaincue que le règlement de la question du Sahara occidental réside dans le fait de permettre au peuple sahraoui d'exercer pleinement son droit à l'autodétermination conformément aux principes de la légalité internationale, comme elle réitère son soutien au recouvrement du peuple palestinien de ses droits nationaux à l'édification d'un État indépendant avec la ville sainte Al-Quds comme capitale. Revenons à Alger pour vous parler de cette tenue aujourd'hui de la 14e session de l'Assemblée générale des réseaux, du Réseau national des droits de l'homme à l'hôtel Oraci. Cette réunion s'est faite en présence du ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh. Tayeb Louh qui a d'ailleurs affirmé ce dimanche même que l'Algérie a intégré dans sa législation les dispositions des chartes et traités internationaux relatifs aux droits de l'homme et à la préservation contre toute forme de criminalité, selon ses dires. On fait le point avec Amélie Seledier.
En matière de promotion des droits de l'homme, l'Algérie a depuis son indépendance comptabilisé des acquis considérables, grâce notamment à la politique éclairée du président de la République Abdelaziz Bouteflika. Une politique marquée par le respect des idéaux, valeurs et principes nationaux et soucieuse de l'adaptation au développement, à la modernité et à la prospection pour une meilleure réponse aux préoccupations et aspirations du citoyen. C'est ce qui a été relevé par le ministre de la Justice, garde des Sceaux, Tayeb Louh, lors des travaux de la 14e session de l'Assemblée générale du réseau arabe des institutions nationales des droits de l'homme. إن كل ما أنجز أو تم تدعيمه بفضل المراجعة الأخيرة للدستور. La dernière révision constitutionnelle dans le cadre de laquelle se dérouleront les prochaines élections locales a permis d'élargir la participation des citoyens, non seulement dans le choix de leurs représentants, mais également dans la prise en charge directe de leurs préoccupations quotidiennes et des questions de développement local. Cette révision vient consacrer le processus démocratique et de nouveaux principes à même de consolider l'état de droit et mieux définir le principe de la séparation des pouvoirs, de l'indépendance de la justice, de la protection juridique et du contrôle de l'action des pouvoirs publics. La liberté, la justice, la dignité et autres valeurs fondamentales ne se concrétisent pas seulement par des contenus politiques, de même que les droits économiques ne peuvent exister sans fondement démocratique. C'est ainsi pourquoi l'Algérie s'attelle dans ses programmes de réforme à garantir tous ses droits dans le cadre de la stratégie de promotion des droits de l'homme. Le gouvernement examinera bientôt un projet de loi relatif à la protection des données personnelles en parachèvement de l'arsenal législatif national dans ce domaine. Un projet de loi qui vise à garantir la non-utilisation des données personnelles à d'autres fins et à définir les principes à respecter lors du traitement et de la conservation de ces données. Le ministre de la Culture, Hazdi Mehoubi, adresse un message de condoléances suite à la disparition de l'architecte français André Ravrault. André Ravrault, qui est décédé, pour rappel, jeudi dernier à l'âge de 98 ans. C'était un grand amoureux de la vallée du Mzab et du désert algérien qu'il découvre en 1949 alors qu'il est encore étudiant en architecture à l'École des Beaux-Arts de Paris, où il fonde d'ailleurs en 1959 son atelier du désert. Il était l'initiateur de la création de l'Office de préservation de la vallée du Mzab. C'est à Gardaïa d'ailleurs qu'il s'initia à l'architecture ibadite et l'enseigne même à plusieurs générations. Et puis, c'est en reconnaissance à ses travaux que l'architecte André Ravrault a été élevé en 2012 déjà au rang de la Chir, de l'ordre du mérite national. Aujourd'hui, avec sa disparition, c'est aussi un grand ami de l'Algérie que l'Algérie vient de perdre, soucieux pour la sauvegarde de son patrimoine et la préservation également de sa culture. On reste avec dans ce domaine de la culture et du tourisme pour vous parler de cette déclaration du ministre du Tourisme et de l'Artisanat Hassem El Mouri. Il a mis en avant ce dimanche à Alger la nécessité de renforcer la coopération entre l'Algérie et le Niger dans le domaine du tourisme et de l'artisanat à travers notamment l'échange d'expériences en matière de formation, de recyclage et de commercialisation des produits. C'est une déclaration faite au terme de l'installation avec le ministre nigérien du tourisme et de l'artisanat, Ahmed Boto, de commission mixte de suivi des accords de tourisme et d'artisanat conclus entre les deux pays. Revenons sur ce chiffre, plus de 143 800 femmes rurales ont bénéficié de crédits pour la création de leur micro-entreprise dans le cadre de l'Agence nationale de gestion du microcrédit, cette agence qui dépend du ministère de la Solidarité nationale. C'est un chiffre qui a été établi donc durant la période allant de 2012 à 2017, selon des données fournies par la ministre de la Solidarité nationale, de la famille et de la condition de la femme, Rania Dahlia, précision de la ministre qui a co-présidé avec le ministre de l'Agriculture, du Développement rural et de la Pêche, Abkhad Al-Bouazghi, cette rencontre que vous avez vue donc sur ces images, une rencontre consacrée à l'occasion de la Journée mondiale de la femme rurale. Je vous invite à écouter les déclarations des deux ministres. Parler de l'activité économique de la femme rurale nous mène forcément à parler de la sécurité alimentaire, puisqu'elle représente le pilier sur lequel s'appuie l'activité de l'industrie de transformation alimentaire, l'élevage et l'artisanat. Une activité économique rendue possible grâce aux entreprises créées avec le mécanisme de l'Agence nationale de gestion des microcrédits, l'ANGEM, qui dispense aussi des formations au profit des femmes tout en les finançant. On dénombre quelque 800 000 bénéficiaires du programme de l'ANGEM.
Dans ce contexte précis, la femme rurale a bénéficié de cycles de formation qui lui ont permis de créer leur propre entreprise. Donc parmi les 60 200 projets agricoles, 35% ont été rendus possibles grâce aux femmes rurales, soit 20 972 projets. En plus de tout cela, il a été formé des cadres du secteur, dont 200 guides et conseillères agricoles, au niveau des différents services, et ce, dans le cadre du renforcement des capacités de nos ressources humaines. Et pour parler justement de cette journée mondiale de la femme rurale, nous allons à Bchar découvrir le portrait de cette agricultrice qui a cumulé 30 années de métier. Il s'agit de Fatima Bahri, c'est une femme qui gère une exploitation agricole de 5 hectares et qui ne se laisse jamais décourager par les difficultés inhérentes à ce métier dur. Bchar Abouali. Fatima Bahri est une agricultrice chevronnée. Voilà plus de 30 ans qu'elle laboure ses terres. Un dur labeur grâce auquel elle fait vivre toute sa famille et fournit sa région en produits agricoles variés et de qualité. À cette heure, je suis déjà dans les champs. Je travaille mes terres, je les irrigue et je me débarrasse des mauvaises herbes. Je fais ça au quotidien, même si je suis malade. Fatima Bahri n'a bénéficié d'aucun programme d'aide ou de soutien agricole. Cela ne l'a pas empêchée de réussir son entreprise. Grâce à ses efforts et au soutien des membres de sa famille, elle gère une exploitation agricole prospère qui s'étend sur 5 hectares. Je cultive des dattes, des raisins, des olives, des abricots, des grenades, de l'oignon, bref, toutes sortes de fruits et légumes. On aimerait par contre qu'on dévie l'oued pour que l'eau ne submerge pas notre récolte. Je lance un appel aux autorités locales pour trouver une solution au problème de l'oued qui noie parfois leur récolte. Les crues des oued n'ont pas eu raison de la détermination de Fatima Bahri, qui s'est jurée de se lever tous les matins tant que Dieu lui prête vie pour travailler ses terres et faire prospérer son exploitation agricole. Un mot sur les élections locales du 23 novembre prochain pour vous parler de la poursuite de l'opération de révision ordinaire des listes électorales. Aïn Temouchen, par exemple, on s'active pour régulariser sa situation afin de s'acquitter de son devoir civique. Hassiba Abdallah. Nous sommes dans la commune de Aïn Lerba à Aïn Temouchen. Depuis quelques années, cette région rurale de 20 000 habitants a bénéficié de plusieurs projets de développement afin d'améliorer la qualité de vie. Nous avons par exemple refait les trottoirs, les routes, l'aménagement urbain, on a refait la pelouse du stade, nous avons distribué 335 logements sociaux locatifs et il reste environ 335 autres logements à réaliser et à distribuer. Mais cela reste encore insuffisant pour la population locale. Alors, à l'approche des élections, les espoirs d'amélioration et de changement sont là. Et les électeurs ne manquent pas de souligner leurs attentes. J'aimerais bien que le prochain élu ait connaissance de nos problèmes et de nos besoins réels. Il nous faut une route goudronnée ici, devant le stade, car la route est très vétuste et poussiéreuse. Ces jeunes ont besoin de beaucoup de choses, comme par exemple des stades communaux. Les habitants de Aïn Lerba attendent beaucoup des prochaines élections. Voir leur village doté de toutes les commodités reste leur premier souci. Six narcotrafiquants ont été interceptés hier par des détachements de l'armée nationale populaire dans plusieurs wilayas du pays qui ont par ailleurs saisi des quantités importantes de produits divers. C'est ce qu'indique ce dimanche dans un communiqué le ministère de la Défense nationale. Pour aller dans le détail, sachez que l'armée nationale populaire a saisi 19 tonnes de tabac, 1,5 tonnes de denrées alimentaires, 740 litres d'huile de table, 1200 litres de carburant et 3 véhicules tout-terrain à l'oued et à Ingezam. À Tlemcen, Bchar Adrar et Bat des éléments des gardes frontières et de la gendarmerie nationale ont intercepté donc ces six narcotrafiquants et ont saisi 124 kg de kif traité, 3100 comprimés psychotropes et 1143 unités de différentes boissons ainsi que deux véhicules touristiques. Par ailleurs, toujours selon ce même communiqué des gardes-côtes, ont réussi à mettre en échec à Mostaganem, à Oran, à Aïn Temouchen, à Annaba également, des tentatives d'émigration clandestine de 106 personnes à bord d'embarcations de construction artisanale. Et puis enfin, on apprend aussi que 42 immigrants clandestins de différentes nationalités ont été arrêtés à Tlemcen, Mostaganem, Ralizen, Bchar et enfin Gherdaya également.
Une information à retenir également, l'ancien sélectionneur national Rabah Saadan a été désigné nouveau directeur technique national. C'est ce qu'a annoncé ce dimanche la Fédération algérienne de football. Fédération algérienne donc qui a annoncé sur son site officiel Rabah Saadan, 72 ans, qui avait conduit les Verts à deux phases finales de la Coupe du Monde, d'abord en 1986 au Mexique et en 2010 en Afrique du Sud. D'autre part, on apprend aussi que Boualem Sharaf a été également nommé directeur des équipes nationales, le technicien qui fêtera ses 59 ans en février prochain, entraîné plusieurs clubs en Algérie, notamment l'USM Al Harrach. C'est un village qui a été donc primé pour son image et son statut de village le plus propre. Le village de Tiferdoud à Tizi Ouzou a décroché le premier prix du concours là-bas à Isset. C'est pour le village le plus propre donc pour l'édition de cette année. Les résultats de ce concours qui à sa cinquième édition ont été annoncés lors de cette cérémonie organisée par l'Assemblée populaire Wilaya, l'initiatrice de cette compétition écologique à la Maison de la Culture. Mouloud Mahamri en présence des représentants de 78 villages qui ont participé, ainsi que des autorités locales également présentes. Tiferdoud, dans la commune de Abi Youssef, à quelques 45 km au sud-est de Tizi Ouzou, voici une carte postale de ce village, donc primé pour être le village le plus propre. On voit cela avec Abdelmajid Barassi. Perché à près de 1200 mètres d'altitude du côté de Aïd el-Hammam, à quelques 45 km de Tizi Ouzou, le chef-lieu de Wilaya, le village de Tiferdoud éblouit ses visiteurs par sa beauté, son charme et bien sûr sa propreté. C'est un véritable exemple pour d'autres contrées du pays. Et pour arriver là, beaucoup a été fait par les villageois depuis déjà quelques années. Tout cela pour rendre la vie agréable dans le village et où il fait réellement bon vivre. Grâce aux citoyens du village, nous avons participé à la question de la recherche. C'est tout le monde. C'est 1500. Alors, même les immigrés, les Algériens, c'est grâce à la solidité. Ils sont pour une solidarité. Et c'est peut-être là le choix. C'est un peu l'union qui fait la force. Voilà, l'union qui fait la force. En ce qui concerne notre village, depuis longtemps, donc, les anciens ont l'habitude de travailler ensemble, de régler le. Ils ont tracé la voie en quelque sorte. Donc on n'est pas parti du vide. Donc on a trouvé déjà une structure sociale assez bien organisée, assez bien efficace. L'autre élément aussi, c'est qu'on a remarqué ces dernières années, il y a un dépeuplement du village, donc il y a l'exode rural, parce qu'il y a la morosité sur le plan social, culturel, sportif. Il n'y a pas d'équipement, il n'y a pas de loisirs, donc les jeunes ne trouvent pas d'espace d'épanouissement, d'expression. Donc, on a fait en quelque sorte un constat. On s'est dit que si on continue comme ça, c'est la ruine d'abord des bâtisses, la dégradation de l'environnement spatial et par conséquent la dégradation de l'environnement social aussi. Un travail colossal a été accompli, bien évidemment, en faisant contribuer tout le monde. Les femmes étaient en première ligne. Voici leur témoignage. Les femmes de notre village ont grandement participé à cet événement en sortant dans les rues, en nettoyant, en encourageant les hommes, en donnant des idées. On était toutes là, toutes présentes, à faire main dans la main et à donner des idées et à faire de nos mieux pour faire de notre village le plus haut, le plus beau et le plus propre, inchallah, de toute l'Algérie. Un village qui s'est reconstruit, bien sûr, grâce aux efforts de tous les villageois, mais aussi de la collectivité locale, mais aussi l'apport des enfants du pays établis un peu partout à travers l'Algérie, mais aussi ceux établis à l'étranger. Le président de la PC qui nous a beaucoup aidés à réaliser ce qu'on a fait, avec un encouragement financier, il nous a encouragés à chaque fois qu'on demande quelque chose, travailler, je suis là. Mm-hmm. C'est avec les moyens des gens qui n'ont pas les moyens. Il y en a qui n'ont pas les moyens, mais ils participent. Contribution minime, des fois ils n'ont pas à manger le soir, mais quand on demande l'argent, ils nous le donnent. Bravo. Avec les moyens qu'ils ont. Alors soit financièrement, jeter aussi chapeau aux immigrés,
Là, et c'est tous ceux qui sont dans le pays. Les villes d'Algérie, ils nous ont aidés à chaque fois qu'on demande quelque chose. Pour les enfants de Tifrdaouth, où qu'ils se trouvent, la solidarité villageoise n'est pas un vain mot. On termine en musique pour vous parler du 9e Festival culturel international de musique symphonique qui s'est ouvert hier soir à l'Opéra d'Alger, Boualem Bessayah. Sous la direction du maestro Amin Rouida, l'Orchestre symphonique national a ouvert le bal. Il avait animé hier la première soirée avec des artistes italiens. On voit cela en détail avec Amel Messaïd. Le désormais orchestre de l'Opéra d'Alger, soutenu par une vingtaine d'instrumentistes et chanteurs lyriques italiens, ont choisi la Traviata de son compositeur Giuseppe Verdi pour inaugurer le 9e Festival culturel international de musique symphonique. Très heureux que ce genre de festival prenne de l'ampleur et touche de plus en plus de personnes. C'est pour cette raison que nous soutenons d'une manière régulière ce festival, car cette musique éduque le goût et nous connecte directement avec la musique universelle. L'Algérie draine aujourd'hui les plus grands musiciens. Je remercie le public pour son goût raffiné. Ils sont de plus en plus nombreux à venir apprécier cette musique. Je souhaite plein succès à ce festival. Par ailleurs, et dans une fusion musicale, les membres des deux formations algériennes et italiennes, l'Italie invitée d'honneur de cette édition, les deux formations donc ont accordé leur violon pour exécuter l'œuvre poème symphonique en hommage à son auteur, compositeur et arrangeur, l'Algérien Rachid Saouli, disparu en septembre dernier. Le rappel des titres avant de vous quitter. Le ministre des Affaires étrangères, Abdelkader Messaoud, transmet un message du président de la République, Abdelaziz Bouteflika, au président malien Ibrahim Boubacar Keïta, avec pour contenu la volonté de renforcer les relations bilatérales et la consolidation et la concertation aussi sur les questions régionales. Tenue aujourd'hui de la 14e session de l'Assemblée générale des réseaux nationaux des droits de l'homme à l'hôtel Roissy, en présence du ministre de la Justice, Garde des Sceaux, Tayyip Bouteflika. Plus de 143 800 femmes rurales ont bénéficié de crédits pour la création de leur micro-entreprise. C'est un chiffre indiqué par la ministre de la Solidarité nationale à l'occasion de la Journée mondiale de la femme rurale. Puis le village de Tifeldoud à Tizi Ouzou décroche le premier prix du concours Rabah Haïssa du village le plus propre, édition 2017. Les résultats de ce concours, qui est cette année en sa 5e édition, ont été annoncés dans une cérémonie organisée par l'Assemblée populaire de Wilaya. Nous avons vu une carte postale consacrée à ce village, jugé le plus propre à Tizi Ouzou. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très bonne soirée à tous. Pour l'information, retrouvez dès demain à midi Amina Zahouf. Je vous donne rendez-vous à 19h. Au revoir.